Bonjour à tous, bonjour à tous. C'est Trading avec vous. Donc là, je reviens sur GRT. Donc GRT, ici, on a quoi? On a un démarrage du prix, une hausse. Il a créé un palier ici important. Sur ce palier-là, on a créé un ATH le 12 février 2021 avec un ATH à 3, pratiquement 3 dollars. Et le prix est parti à 0,02. Une très belle performance de GRT. De son plus bas à son plus haut, qui a été pratiquement de 8 600%. Ensuite, on a eu une descente, un retour ici, vu que la montée était trop rapide, trop verticale. Donc, on a créé, il y avait ici, hop, de la liquidité. Ceux qui ont encaissé, c'était très bien. Ceux qui n'ont pas encaissé, et ben, hop, le prix est redescendu. Vous a donné une deuxième chance. Donc, il a créé ici un BC. Un ST et après il est descendu faire le saut. Donc il est revenu à au niveau de ce niveau important qu'il a créé. Et là, il fait une accumulation qui dure depuis mai 2021. On a créé ce plus bas en mai 2021, une réaction haussière. On a pris l'argent, un petit STB. On est parti vers le haut. On a pris l'argent ici. On a l'intention haussière qui est présente ici. On est sous la ligne des 50, donc on est en zone discount. Au niveau Fibo, on est dans la zone de rechargement entre 78,6 et 88,6. Et dernièrement, sur cette dernière partie, il est venu chercher pile poil la zone des 88,6, voire un tout petit peu en bas, dans les 0,34, si je ne me trompe pas, 0,30, qui était un super prix d'achat. Donc là, on a SCSTB. Spring, donc on est sur le spring pour l'instant, on est en train de travailler le spring, mais la zone acheteuse est intéressante pour en mettre en portefeuille. Personnellement, j'en ai pris en portefeuille sur cette zone ici dès qu'il est venu sur le spring et je ferai du DCA dessus. S'il descend sous les 0,30, personnellement, j'en rechargerai. Mais pour moi, il est sur la bonne zone parce que là, il a donné une attention haussière, il nous a donné ici une prise de liquidité. Donc il est prêt à partir, la turbine elle chauffe là. Moi pour moi il est prêt à partir. Il peut aller chercher peut-être un dernier plus bas et hop on y va. Maximum je dirais un dernier plus bas et c'est parti. Là il est venu, il a pris l'argent, il nous a montré l'intention de vouloir monter. Ici pareil, il est monté ici, il est venu prendre ici, hop retester ici, prendre l'argent de ce niveau. Donc là on a deux belles intentions haussières. D'accord, un graphe propre, pas trop dégueulasse. Ça fait un peu peur quand il descend un peu trop bas ici. Le fondamental est très bon. Après, ça peut mettre du temps pour qu'il aille chercher, bien sûr, vers le haut. Il faut juste être patient. Ici, j'attire votre attention sur ce niveau-là. Ici, j'ai une hausse entre deux bougies ici. Donc là, on a un price delivery, un déséquilibre de marché à l'amorçage du prix sur le cours. Je l'ai mis marqué à le 0,12 ici. S'il vient rééquilibrer le marché, ce serait l'entrée magnifique, hein. 0,12, mais j'y crois pas trop, ça me paraît un peu bas. Mais on le garde en tête de monde. J'ai tracé mon fibo de continuité de tendance sur la descente et le premier retracement, BCST. Donc sur le BCST, qui m'a donné ici. Donc le 1,27,2, ici on est parti le chercher, hop, tout au départ ici. Ensuite on est parti chercher la zone des 1,414. Il est à 618, il est à 0,135 sur la zone que je vous ai tracée ici où il y a le déséquilibre. Gardez quand même en tête ou bien gardez une cartouche pour ici. Ok, s'il vient ici, mettre une cartouche. Parce que là, le facteur exponentiel est beaucoup plus important. C'est sûr, si le prix vient ici sur les 0,13, ça veut dire que le facteur exponentiel sera de 2331 juste à chercher l'ATH. Par rapport au 0,30 où on avait 892%. Donc, n'hésitez pas à garder du stablecoin chaud. On ne sait jamais s'il va sur cette zone. On sait jamais, ça veut pas dire qu'il doit y aller obligatoirement. Mais on sait jamais s'il va aller. Soit il peut, sinon il peut retourner, faire sa hausse et retourner plus tard.
Donc c'est pas obligé qu'il y va tout de suite. Voilà, sur ce, bonne journée à vous tous pour The Graph GRT. Voilà, c'est de vous la présenter. Je ne suis pas conseiller financier, mais je vous présente mes analyses. Force à vous tous, la famille, et à bientôt pour de nouvelles aventures.